t'attendre même si on a dormi on t'attendre quand même et tu parti ça important ça veut dire nèg qui a fait promotion bal mateli yo promoteur animateur artiste yo ça va veut dire yo pas à l'abri non là parce que yo ka c'est comme quoi mi qui capable utiliser pour blanchon l'argent. Écoutez, m'parle pour me conclure à culpabilité aucun monde, mais effectivement, en réalité, Rété. Juridiquement, c'est un moyen pour blanchir l'argent. Et si par exemple, il y a 50 promoteurs, dans 50 promoteurs, ça y a, et par contre, moi, c'est un trafiquant, je prends chaque promoteur, je paye 500 000 dollars américains, ou bien. Bah, on va connaître chaque mois, je fais comme la passer dans un mois, deux mois, trois mois, etc. Moi, chaque mois, je fais un code. Bah, la mettre par réunion, bah, la mettre réunion 10 secondes d'ailleurs, bon, pratique, fait dans blanchir moi-même. Et ça, c'est pas moi-même qui viens avec, je n'ai pas inventé, je suis sorti même en Italie. Parce que la grande mafia, la mafia italienne à Naples, c'est ça que je compte faire. Par exemple, que moi, il y a des restaurants, après restaurant où je compte payer en espèces, bah, là, bon, les pâtes là, à l'époque. Mais si on trafiquant de drogue, je prends 50 promoteurs, je paye au chaque 300 000 dollars, 500 000 dollars, je vais même acheter 4 pour faire ces bails, bails 4 jours, je ne pas même vendre même, et puis à la fin, à l'issue de soirée, je dis que je vais rentrer 500 000 dollars, je vais monter 1 million de dollars. Puisque le bal m'a été affiché, je suis en publicité qui fait pour lui, je suis en notaire, je dis, mais comme ça, je vais recevoir, je vais faire les notaires, je vais faire une déclaration de soupçon parce que je vais soupçon sur moi. Je note à non parce que il y a tel bal qui est affiché tel le bal la fête et je note pas à refuser mais parce que effectivement que bal monté fait monter 500 000 dollars donc ouais ça me demande donc et là bon dangerosité effectivement même pour moteur yo pas dire ça lié mais même pour moteur quand on moyen effectivement de blanchiment d'argent même pour moteur yo bon. Eh bien on retourne dans la question donc question trafic illicite de stupéfiants trafic de drogue. Il est considéré comme étant un crime, c'est pas ça? C'est un crime transnational. C'est peut-être ça que ma paix m'a fait une introduction tout de suite en mise en contexte. Sur question de sanctions même, et dans toute grande démocratie, en tout cas pas seulement grande démocratie, mais on dit dans tout pays qui est organisé. Tout pays qui est organisé, il y a trois manières que vous contrôlez la moralité du monde. La moralité veut dire que, par exemple, le monde, il manque de dignité, il manque de probité, il manque d'honneur, les actions que qui amoral que les que le commettre. Maintenant amoralité ça il y a trois façons pour qu'on contrôle. Première façon c'est en procédure administrative, c'est-à-dire que il y a une institution indépendante, une autorité administrative qui estime que le comportement individuel est anormal, le comportement anormal, les écouter, mon femme mon suspicion sur lui, ma enquête administrative. À l'issue de l'enquête, connaît les prend mesure, c'est peut-être que moi-même moi pas. Juridiquement, pour moi, ni la France, ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'Union européenne, ou même de la France côté que moi actuellement, pour moi, moi estime que le vocable sanction est inapproprié. La France utilise, l'Union européenne utilise, l'Union européenne utilise et le Canada utilise, pour moi, est inapproprié. Parce que l'on parle de sanctions, ou est deux bagailles. Sanction pour le bon caractère punitif, il faut que sanction tout le divini dont on s'annule pour les de nature juridictionnelle. Son juridiction cap on sanction. Maintenant, alors que non enquête administrative ou pas après sanction cap on des mesures de sûreté contre un monde. Pour qui ça? Parce que le ou bon pays ou estime que un comportement ou individu qui est dangereux, j'aime ça dire, par exemple, on a le trafic en drogue, on a la corruption qui sont crimes transnationaux, ou estime qu'on est un territoire là en danger. Parce que pour qui ça, on prend mesure, ça, c'est pour protéger le territoire, là. C'est la protection du territoire national. Ou dit que, mon ça, comportement, les représentants ont menace pour l'ordre public pays, non, parce que les gens entrent dans le pays avec drogue, drogue n'a pas le détruit tout le monde dans le pays, hein. Drogue n'a pas fait tout le monde entrer. Parce que l'on a drogue, j'en suis dit tout à l'heure. Donc, on pose une question, drogue veut dire que ça, je veux dire sang. Drogue veut dire transaction criminelle. Drogue veut dire tuer. Donc, il détruit un pays, il déstabilise. Et lui-même, il vient arriver dans la question de commerce déloyal. Parce que l'organe droit qu'on a, on va prendre un cobre en métal, par exemple, il y a un paquet de cobre normal. Lui, il prend, lui, utilise, lui, met. Non, n'importe qui, j'en voulais, aller dans le club, gaspiller, le voyer dans l'an, mais voyer dans l'air, vous comprenez ça, d'où il parle, c'est le bas sué pour lui. Et l'ICA entre les fonds commerce ou même commerce avec les ventes à perte. Yeah. Et que l'OAP vend un produit à 2 dollars, les mêmes les autres ne pas garder parce que les ventes à 50 centimes. Concurrence déloyale. Voilà, concurrence de dollars. Merci. Maintenant, tout ça,
vin fait que qu'on y a un monde des gros comportements dangereux comportement ça pays en dit écoutez comme sécuriser territoire là m'a pêcher mon ça pour l'accéder à territoire là ou bien si mon là sous territoire tout moi décidé pour m'expulser là ça fait à l'heure dormir en tes points mais moi t'as besoin d'un important par exemple ma fond parenthèse sur question de éventuelle nationalité haïtienne et Michel Martelly ta résident ou bien ta nationalité américaine ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire même l'état de nationalité américaine pour qui ça parce que l'on pour nationalité un pays ou qu'à prendre par acquisition qu'à prendre par naissance normalement sauf erreur de ma part Michel Martelly c'est une nationalité américaine les nationalités américaines par acquisition maintenant l'on par acquisition veut dire venir dans pays on nombre de temps on remplit conditions ou on demande de nationalité au baoul attention on pas gagner pour la vie clair on pas gagner pour la vie l'on gagne l'on comportement gagne des infractions ou commettre automatiquement yo condamné après condamnation yo pour peine complémentaire contre eux-mêmes. Yo fin condamné à 20 ans d'emprisonnement pour drogue parce que son jeune soudien son infraction qui relève d'une particulière gravité, ou pas tolérer ça du tout. Yo estime son monde qui dangereux pour pays. Hein? Non, pourquoi on aller vite? Combien de temps on pense li kapran? Alors si yo t'a bali, combien de temps on monde comme ça kapran? Si yo t'a bali, par exemple, m'pa konnen li session américaine nan trop bien, mais normalement que on infraction comme ça Non, qu'il a 20 ans, 25 tout. Oui, il a 20 à 30 ans d'emprisonnement. Maintenant, parce que ce n'est pas seulement, c'est pas vente de. Parce que les mêmes décisions, sans sanction, il n'y a pas marqué vente, il n'y a pas marqué trafic en fait. Là, c'est beaucoup plus grave. Trafic. Maintenant, trafic-là, il dépasse les frontières, il vient en infraction transnationale. Maintenant, l'offre purge peine, ça a connu. Tribunal, ça procureur de la République, pas oublier l'offre d'exécution de la peine est relevée de l'autorité de poursuite, qui c'est le parquet, qui c'est le procureur fédéral aux États-Unis. Procureur, ça connaît à la fin de demande pour dire que le monde parle tellement dangereux, le détail qui est une nationalité américaine dans le pays maintenant, on ne peut pas supporter parce qu'il faut perdre une nationalité. Le fait qu'on demande devant l'autorité administrative pour déchirer mon nom de nationalité. L'offre déchirer de nationalité, automatiquement, il y aura dans le pays. Donc, pas de secret. Et là-dedans, dans tous les pays du monde, c'est comme ça lié. C'est d'ailleurs la politique migratoire, l'Europe, Canada, la France, les États-Unis, c'est presque même bagarre là. Presque même bagarre là. Donc c'est que même l'organisation interaméricaine, ou pas faite dans le pays, hein, ou pas l'organisation interaméricaine, ou française, ou canadienne, de souche, l'ende ou bien, ou pas faite dans le pays, hein, ou pas de nationalité de souche, c'est acquérir acquisition à n'importe quel moment où on a déchu de nationalité. C'est peut-être ça qu'il y a des infractions que ou pas qu'à faire. Ou pas tous les refaire. L'offre, le cas, prend la nationalité dans le monde, c'est la perte de nationalité. Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'on gagne la nationalité dans un pays qui fait que vous pensez que vous n'avez pas prendre la mort après ça pour tuer le Donc, oui, alors, pendant que je dis ça, c'est Fontigade justement, parce qu'on a connu assez One Click, des Fontigade en anglais. Et il dit que obligatoirement, on moun, par exemple, vous prenez un drogue. Si son petit bail, substance qui n'est pas tellement exagérée, minimum, non, il y a de 1 an à 3 ans. Donc 90 days. Cependant, si son monde par exemple qui n'a niveau trafic drogue là, il y a aller de 20 ans, il quand même aller jusqu'à la vie dépendamment et si son bah qui répété comme si son nèg qui son narcotrafiquant qui répété, il y aller jusqu'à 30 ans et plus et si c'est dans cadre d'une large opération comme un gros baron drogue qui a coûté par exemple plus de 10 millions de dollars par année par exemple pour faire dans drogue, il a coûté la vie même en prison. Ou mettre devant ces professeurs. Voilà. Donc OK. Maintenant le on prend yon, après on mesure après yon enquête administrative au fac li même que li fin mené on décide on autorité administrative et m'tapant tout à l'heure à tout qui l'elle prend yon mesure comme ça m'tapant ambassadeur américain en tout ambassadeur américain en Haïti hein. C'est que yo prend temps effectivement et décision yo a yo reposer sur ça reposer sous ensemble d'informations ou ensemble de renseignements que recueilli ça pas dire pour autant que information ça ou gagne yo c'est li constitue en preuve probante mais pour yo c'est élément probant yo c'est peut-être ça moins tout à l'heure on sanction le mot sanction veut dire que deux bagages les des caractères punitifs les veut dire tout que faut sortir dans juridiction c'est peut-être ça ou après au fac dit ça au fac dit comme ça que yo pas gain intention dans décision yo pas gain intention pour punir c'est normal parce que l'aspect punitif n'est pas relevé de l'autorité administrative seulement qui a puni c'est seulement le tribunal c'est la justice qui a puni moi puisque donc comme yo pas prend par exemple d'attendre en pile journaliste qui dit que qui inquiétait au pour ça
et m'pa gagne pour un jugement de valeur ou jugement de caractère sur l'ancien président Michel Martelly, mais c'est vle ba yo un conseil, pas tout ça Martelly pour pas aggraver situation plus dans conseil, parce que en tant qu'avocat le bon avocat ou bien par contre mon bon devoir de conseil d'information le yo mette dans décision décision li pa gagne caractère punitif, c'est seulement pour cause de comportement, faire attention. Ou après même mot ça, même phrase ça, on peut utiliser dans décision contre privé. Il a utilisé le contenu contre Enel Kassito. Pour qui ça? C'est comme si on prend une décision. Le juge est tenu de motiver sa décision. Il y a une forme générale pour le mettre là-dedans. S'il ne pas mettre forme générale, là, par exemple, le juge a une décision. S'il ne pas mettre voie de recours, là, il n'y a pas indiqué là-dedans. Ou qu'on voie de recours, ou qu'on fait devant telle autorité. Ou qu'on tel délai pour faire recours là. Et, mais pour qui ça? Pour condamner à tel mois d'emprisonnement ou telle année d'emprisonnement. Donc la décision n'est pas motivée, donc décision est nulle. Maintenant, c'est peut-être ça, pour après que étrangers qui forment dans l'institution, ils ne pas fait. Ils ont une formule, ils ont une formule sacramentelle, à la fin des décisions, ils mettent pour tout le monde. C'est normal parce que ils sont institutions administratives, ils n'ont pas un pouvoir de sanction, peut-être à moins de mot sanction pour moi, inapproprié. Ils ont un pouvoir pour faire bagage, pour prendre mesure de sûreté dans le cadre de la protection du territoire national. Ça fait que pour moi, la France utilise les sanctions, un régime de sanctions, la France gagne tout, l'Union européenne, un régime de sanctions. En fait, c'est plus l'Union européenne qui utilise la partie d'une directive européenne. Mm-hmm. Une directive européenne qui dit qu'il y a un régime de sanctions. Pour moi, c'est inapproprié parce qu'une autorité administrative n'a pas de sanctions, il n'y a pas de mesure de sûreté. Maintenant, sous question de sanctions ou bien mesures de sûreté à l'encontre de Michel Martelly. Maintenant, qui conséquence, qui effet que le cas gagne? Nous avons dit tout à l'heure, les rôles ont une particulière gravité, nous pas plus dans l'état aussi. Ils sont en trafic de drogue quand même. Jusqu'à présent, c'est ça, ils ont dit dans le fait qu'ils révélaient, dans le fait qu'ils ont couché avec Michel Martelly. Maintenant qu'on y a, ils dépassent les frontières. N'importe pays côté que ils sont transnationales, n'importe côté que le trafic ça, il a réalisé Saint-Domingue, États-Unis, Canada ou bien Haïti, tout pays ça a décidé pour poursuivre, mon ça, ils ont dit reprocher dans le trafic si effectivement que le trafic a réalisé sur le territoire par là. Maintenant, parce que l'on parle de trafic, le trafic n'a pas fait des États-Unis, donc il sorti dans le pays, il a abouti aux États-Unis. Soit il sorti Haïti, il a gagné en transmission, par contre, que il sorti Haïti, il a gagné en transit, il fait soit République Dominicaine, ou bien il a gagné en transit, il fait soit Colombie. Tout pays, ça a côté que si transit quand fait dans un pays ou l'autre, donc pays, ça a gagné autorité, il a gagné un pouvoir de poursuite à l'encontre de monde. Maintenant, pour nous, il y a des gens qui reprochent, qui disent comme ça que pour qui ça, au fac, ou t'as dit le tout, au fait que prendre une décision administrative comme ça, il n'est pas arrêté. Mais il n'est pas arrêté parce que il n'y a pas de pouvoir de sanction. Yeah. Maintenant qu'on y a, au fait qui ça au fait, et moi certain que ça fait. Ça a une certitude même à 300%. Les autorités administratives font une décision comme ça. Ils prennent une décision pour protéger le territoire. C'est mm-hmm. dans le cas, ils ne prennent pas pour aucun bagaille. C'est dans le cas de la protection du territoire, la sécurité intérieure. Maintenant qu'on y a, qui ça le fait? Il y a un filtre de communication entre autorité administrative et autorité judiciaire. Au fait, il n'y a pas bête, il y a une interconnexion avec l'autorité judiciaire, avec le procureur fédéral. Yeah. C'est même pas l'analyse à Tracfin ici. Il y a une institution qui est équivalente de au fait ici en France, c'est le Tracfin. Tracfin est occupé de bagailles de blanchiment, etc. L'argent qui a rentré sous contrôle, il y a un suspect. Immédiatement que Tracfin, moi ça t'est arrivé, j'étais avocat en association française en Haïti. Il y a des copes qui ont passé ce compte personnellement. Tracfin, immédiatement, Tracfin, il font signalement auprès du parquet. Il dit, il font signalement auprès du parquet. Il dit, il y a des gens qui ont passé ce compte, ce compte M. Gabi Blaise, qui a transité en Haïti. Donc, il faut que vous fassiez enquête pour connaître côté de M. Kopsaro. Association, ça a bon complexe, c'est pas blanchi, mais blanchi comme la pour association. Clair. Automatiquement. Maintenant, parquet relève, les parquets relèvent. Moi, l'association, il y a tout justificatif. Vous avez un mandat, vous avez tout document dans même, l'association existe, etc. etc. Vous avez tout le qui est fait, le ça, il n'y a pas bon problème. Maintenant, c'est même gens liés dans OFAC. OFAC, ils ont une interconnexion automatiquement. Immédiatement que les gens essayent de ne pas oublier que nous sommes tous, les décisions à vous poser sont ensemble d'informations et de renseignements. Mm-hmm. Les gens prennent tout le coup, ils estiment que vous avez un élément pour banque pour eux-mêmes. Eh bien, ça, vous fait. Avant de prendre une décision administrative, ils ont informé l'autorité judiciaire là, quand même. Quand même. Il n'est pas obligé de dire, il n'est pas obligé de mettre le public, mais il est informé parce que son devoir lié d'ailleurs, son obligation il gagne. Il a une obligation pour informer l'autorité judiciaire pour dire ah, mais tellement moins suspect qui gagne, parce que jusqu'à présent, il gagne son soupçon lié parce que lui présumé innocent, monsieur Martelly. Il dit, mais tellement moins bon soupçon de lui,
Moun sa li paraît dangereux parce que li représente un menace à l'ordre public américain. Moi signale sur ça, mais moi-même mes mesures conservatoires que m'étais prendre pour mesure de sûreté, mon temps pour décision, moi dit moi sanctionnel. Moi sanctionnel parce que pour sanction économique, pour sanction administrative contre même, j'en sorti tout à l'heure. Moun sa son mort civil lié parce que c'est son mort civil parce que li pas a gagné un cadre de crédit pour fonctionner et le pas un cadre de crédit c'est comme si ou pas acheter un billet d'avion ou pas faire gaz dans machine ou gagner couteau rivé avec carte pour faire gaz dans machine ou gagner couteau l'ouvrir aéroport logon on valise supplémentaire ça avec carte pour payer pour le machine ça avec carte donc ou sont mort civil en fait même logon l'argent en espèce même pas capable utiliser donc maintenant là où faut prendre décision niveau le parquet qu'on a assez parquet qu'on y a ça n'est le procureur fédéral là donc c'est le procureur américain qui va décider pour dire écoutez fais ça yo moi ouais lui levé deux en particulier gravité effectivement moi décider pour me poursuivre sachant que aux États-Unis pas gain ça n'est l'opportunité de poursuite aux États-Unis système anglo-saxon même pas gain système anglo-saxon c'est un système qui gagne l'égalité de poursuite maintenant une fois que vous estimez que preuve n'est plus probante ça rien pas fait aujourd'hui hein il n'a pas fait dans un mois deux mois mais il a fait tout, on ne sait pas qu'il n'y a pas fait, mais lui-même, il a un pouvoir, ça c'est l'autorité judiciaire, c'est le procureur, qui a dit, mes documents m'ont gagné administrativement, m'ont gagné dans mes OFAC, et comment ça vient de passer dans la pratique? Dans la pratique, c'est qu'il fait signalement. Et ça, qu'on n'a pas fait à dire OFAC, ou bien institution administrative, ça, communiquer mon dossier. On a demandé officiellement donc communiquer l'entier dossier. Les dossiers viennent dans mes parquets, pas analysé. Qui c'est pour que le fédéral là, le SAIOK a décidé de dire mes actions publiques en mouvement contre mon nom. Qu'est-ce que ça m'a entendu ou bien la mort ou bien quand ça m'a entendu? On va vous centraliser sur ce matériel. Maintenant, qu'on y a, le fin, qu'on y a, yo met action publique en mouvement, est-ce que il y a arrestation? Oui, il y a arrestation. Il y a arrestation parce que si yo met action publique en mouvement contre M. Martelly, yo estime que yo gen fait probant, ça veut dire, écoutez, il y a trois possibilités. Une possibilité pour moi, pour Kembo, pour me dire, écoutez, vous représentez un gros danger pour Haïti, parce que vous déstabilisez Haïti. Mais que soit l'Haïti aujourd'hui, il n'est pas bon à prendre influence parce qu'il y a un témoin en Haïti qui a besoin de témoigner. Par exemple, que Pierre Espérance Palantil sous Bagaïsa, l'autre association, etc. Bagaïsa, il a estimé que si M. Martelly est en Haïti, ça fait pression sur témoin, il a fait pression sur les victimes. Je dis, écoutez, je dis, je ne vais pas quitter l'Haïti, je vais rester en détention provisoire. Parce que témoin ça m'a besoin témoin ou qu'a fait pression sur yo yo qu'a assassiné yo qu'a mort yo ne pas qu'a témoin ou qu'a sous droit et cetera donc on pas décider voir Haïti mais moi en détention provisoire contre tout yo qu'a dit écoutez puisque ou bay ou bon gage sérieux de représentation aux États-Unis ou bon caille pix ou bon garantie mais mes passeport décider pour m'assigner à résidence li assigné la résidence je fais assignation à résidence avec un système de pointage. Donc là, le pointé, tous les jours, il est levé. Il a levé là, le pointé du lundi au dimanche à 9h30, là, le pointé, puis l'entrée la Cali avec un bracelet électronique, comme il était sous bracelet électronique tout, ou bien un système de pointage tout court. Le Sakouni n'a pas quitté le territoire, mais procédure à suivre pour lui. On s'attend au cas dit, M. Martelly, pour protection, pas parce que il est bruit que tu gagnes des soupçons sur la question pétro-caribé, peuple a pas de bonheur parce qu'on porte à fort avec la population. Hein. Qu'on y a en situation de faiblesse, parce que pas oublier que décision ça, il a affaibli Martelly politiquement. Ouais. Il a affaibli politiquement, puisque ou affaibli politiquement, ou a perdu en pile sympathisant avec partisan. Qu'on y a pour qu'à protéger vie ou soit à l'Haïti, si nous quittons en liberté aux États-Unis ou qu'à une tendance à l'Haïti, nous décidons pour qu'il y ait moins de détention provisoire, même pour ta propre vie, pour nous sécuriser vie. Donc voilà en gros, qui ça, États-Unis, qu'a fait. Maintenant, quid Haïti? Et c'est là que je connais que ça intéresse pour Haïti. Ya. Oui, avant même d'arriver à Haïti, parce que ce que je dis là est tellement intéressant, et ça te fait que tu as choisi de parler à vous pour être capable de comprendre ce qui est clair. États-Unis, nous avons dit hier, nous pas t'avler comme si y a roulé dans la farine, parce que l'homme attend des sous-secrétaires d'État qui gèrent les questions. Renseignement financier, c'est même j'aime déjà dit UCREF en Haïti, monsieur tout qui ont responsabilité pour gourmer contre terrorisme. M'a parlé de monsieur Bradley Smith. Donc dans intervention monsieur, il dit que parce que yo sanctionné Michel Martelly parce que yo estimé monsieur abusé de influence li pour faciliter trafic drogue dangereuse. Y compris cocaïne à destination des États-Unis.
tande oui, à destination des États-Unis. Donc si yo gen élément yo nan men yo qui prouve ça, pour ça sont simples sanctions yo parler de Michel Martelly. D'accord, c'est ça me dit non, c'est normal parce que le pas oublier que nous dit tout à l'heure, hein, nous parler de OFAC. OFAC ça pour nous connait, j'en se dit hein, OFAC pas tant pour Ukraine en fait. Parce que Ukraine, oui, dit pour Ukraine parce que Ukraine sont institution administrative. OFAC c'est là regarde OFAC pas garder des CPJ la donne. Regardez une institution administrative. Ouais. Maintenant regarde une institution administrative, il n'a pas grand pouvoir de sanction, pas grand pouvoir d'arrestation. Ouais. Même genre des CPJ travaille pour le parquet. Même gens des CPJ pour le parquet, mais OFAC lui-même il pas travaille pour le parquet. OFAC pas oublier que il est attaché là avec le département du trésor, département du trésor c'est lié son administration, c'est l'administration. Il grand pour administration qui ça lié, il là il là pour surveiller avec protection, c'est comme pour la douane. Ouais. La douane pas grand pouvoir d'arrestation comme si en matière d'enquête ça, la douane bon pouvoir d'arrestation sur place en fait. Mm-hmm. On pouvoir d'arrestation sur place, l'on déclaration les la douane ou vient en corps par exemple ça se passer en France dernièrement là. Et il a arrêté deux monde avec dans valise 2 400 000 euros dans valise 2 millions hein, euros en espèce. Mm-hmm. Ça vous fait la douane, ça vous fait en espèce avant cela, ça vous fait yo kembe moun la douane kembe moun yo, c'est la police frontière, les la douane kembe moun li remettre à la police frontière. Maintenant en termes de d'administration au fac son institution administrative, il a bon pouvoir pour lui mettre mandat pour dire m'a pas arrêté, mais ça au fac qu'a fait. Ouais. Au fac que ça me dit tout à l'heure. Au fac qui fin joine les soupçon, ils font signalement à c'est comme si m'a pas connait, c'est comme si on joine une institution administrative en Haïti, on dit que ministère affaires sociales, on va comme ça, qui bon soupçon sur un corps. Et puis ils font signalement à ULCC. Ouais. Donc au fac c'est pouvoir ça le gagner, ils ont pouvoir de signalement à autorité judiciaire. L'Elfine fait signalement à l'autorité judiciaire la Kounia, je pense au dire. Non, mais si m'dable dit le langage qui pique clair, au fac, tout simplement, puisque ils sont entités qui travaillent en étroite collaboration avec Trésor, ils juste pote plainte en attendant suivi fait. Ils dit mais qui ça me joigne? Mais ça me joigne et puis fait suivi yo. Parce que moi, je m'en pour qui ça, pour qui ça, ça ne peut nous comprendre, ça peut nous comprendre, non, pour auditeurs comprendre, leur, au fait, joignent un dossier contre le monde, l'ici, pour l'arrêter, mon nom, faut le bah, accès à dossier. Claire. Parce que faut le respecter, ça nous est les droits de la défense. Faut mon nom accès à dossier, faut mon nom capable que, par exemple, pour lui, parce qu'il faut le respecter et présomption d'innocence, lui, leur, au fait, prend décision, bah, qui est fondamental là, faut mon nom qu'à faire recours contre décision. Alors que, ou après décision contre Matéli, il n'y a pas dit que le gain doit de recours. Il n'y a pas de recours. Il y a une demande de retrait, mais il n'y a pas de recours. C'est peut-être ça qu'en décision administrative, ils sont décisions administratives, il n'y a pas de pouvoir de sanction. Il y a un pouvoir de mesure de sûreté. Qu'on a qui ça au fac café. Au fac dit, ah, mais ça me joint pour l'instant, pour sécuriser le territoire pays, pour qu'on ne pas rentrer, mon ça me sanction contre il n'y a pas de accès avec la banque dans le pays. Mais ça me fait qu'on a moins gelé, moins qu'à promouvoir conservatoire, moins qu'on s'est gelé contre les gens pour les gens pour voir pour le faire ça, pour commencer qui est bloqué ces deux bagages. Wow. Les bloqués ces deux bagages, qu'on a livré dossier à parquet. Procureur là, qu'on a ces procureurs là, qui a demandé entier dossier. Les procureurs qui demandent entier dossier, procureur a dit écoutez, fais ça tellement pour bon, décider que pour exercer action publique en mouvement contre mon nom. Claire, au fini, ou correct, et c'est exactement ça. Au fait, cap déclenche poursuite là. Mm-hmm. C'est le procureur fédéral qui a déclenché. Maintenant, au cas où il demain si Dieu veut, si il joue d'ailleurs, nous pas peut-être mentir en effet sincère dans propos nous. C'est sûr et certain. Si il dit il prend mesure contre ça contre un président Michel Martelly, il y a des faits. Il y a des faits. Non, il y a des éléments. Maintenant avec fait ça yo et nous sommes dit tout à l'heure, fait yo relever donc particulière gravité, il pas même avec dossier et parce que pas mal de bagarre. Lors mon dossier ancien président privé, ancien et président chambre de député Garibaldo, Nenel Kassi, yo États-Unis prend sanction contre lui-même pour ça parce que il a financé gang. Mais ça c'est bagaille territoire Haïti. États-Unis a négligé sous ça, c'est pas même bagaille. Mais le États-Unis prend en sanction parce que mon dans trafic d'autres sur ce territoire là sont l'autre bagaille parce que territoire pas en danger en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Territoire pas en danger. Donc là très difficile, on pas dit non parce qu'on balance secret des dieux, mais là très difficile pour mettre action en public contre un monde que yo suspecté d'un trafic de drogue. C'est pas même bagaille l'ont déstabiliser pays ou parce que déstabiliser pays pas loi pour rien. C'est pas même bagaille. Il y a espoir papa parce que oui au FNAC au FAC
au fac li mandé pour gagner institution financière américaine yo pa gen droit prêter matériel l'argent yo pa gen droit bal cob ni bal crédit etc. toute transaction de vis étrangère pouvoir limiter là pouvoir c'est ça le comme pouvoir c'est pouvoir administratif de gain pouvoir économique maintenant qu'on y a livre et dossier et ça nous pas besoin monde dit nous c'est sûr et certain de communiquer avec autorité judiciaire le parquet fédéral il fait ça parce que d'ailleurs au fac il travaille tout avec DIE il travaille donc c'est vraiment important à suivre. Maintenant le cas d'Haïti, comment la justice haïtienne capable réagir ou bien agir sous sanction si là yo pas seulement pour Martelly mais tout le monde, l'ONU ou bien nation ou bien États-Unis ou bien Canada sanctionné, est-ce que les autorités haïtiennes capables agir sur dossier ça? Pour être honnête et sincère avec toi, autrefois c'était difficile parce que le parquet gagnait plusieurs façons parquet qu'a saisi parce que l'ordre agit, il veut dire que mettez action publique en mouvement. Parquet gagne plusieurs façons dans le système gouvernemental, parquet gagne plusieurs façons qu'a saisi, il y a une façon aussi clamer public. Clamer public, il faut qu'il fait sous territoire, en fait. Clamer public, ce n'est pas seulement l'étendue ça dans la radio, on journaliste ville, mais clamer public, c'est pas seulement ça. Maintenant, il faut saisir tout par dénonciation. Dénonciation, tout, il faut gagner un dossier, il faut gagner des faits, les gens qui ont fait dénonciation, il faut aller. Bon, je ne vais pas parler de dénonciation dans l'émission là, parce que mon dossier est très sensible dans la question du conseil président, c'est là que je ne vais pas parler de. Oui, il y a une consultation à aucune partie. Et dans le dossier, ça, parce que les monsieur, il y a un avocat, c'est un avocat qui peut défendre, c'est pas moi qui peux défendre. Maintenant, et le parquet qu'on a, il n'y a pas d'élément en main, il est difficile pour les poursuivre. Maintenant, qu'on a les sanctions qu'on prend autrefois, avant 2023, et il faut qu'on ait des informations sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on est, c'est la loi, c'est la voie diplomatique, ou qu'on est la voie diplomatique, c'est la loi du plus fort. Est-ce que qu'on est en Haïti dans ton bagage quand on ressortit ça, demander premier ministre, normalement premier ministre ou bien président de la République, parce que c'est lui même qui chef diplomatie, demander premier ministre, demander ministre affaires étrangères là pour faire une demande de diplomatique pour t'ajouter un dossier ça parce que dans les ressortis ça. Donc est-ce que États-Unis, Canada, la France et là aussi, peu importe pays, il y a assez d'intérêt pour communiquer dossier avec Haïti, etc. Il n'a pas appelé, il n'a du secret de l'instruction, ou bien que pas grand rien qui déclenche contre nous dans le pays. Donc, il était vraiment lourd, la procédure était très lourde. Maintenant, qu'on y a, sur Ariel Henry, et Ariel Henry vient faciliter les bagailles qu'on y a. Ariel Henry facilite de bagailles. Qui donc, Ariel fait un coup quand même? Bon, par contre, il faut tout aider. Mais. Et Ariel Henry, le gouvernement Ariel Henry, il facilite les bagailles. Il facilite deux bagailles. Dis-nous plus. Il facilite, oui, très bien. Il facilite à travers un décret qui est publié le 4 mai 2023. Et décret ça, il facilite, premier ça, il facilite que pour sanction, la procédure est très lourde. Parce que ça qui est important pour déclencher une procédure, il faut avoir accès à dossier. Maintenant qu'on est en décret, ça lui prévoit qui ça lui prévoit, il dit toute sanction internationale. C'est pas seulement sanction onusienne, toute sanction internationale, l'article 97, alinéa 6, là. Alinéa C, pardon, 97.C, il dit toute sanction internationale, Canada, États-Unis, Nations Unies et République Dominicaine, depuis une sanction prend à l'encontre d'un individu en ressortissant haïtien. Tout ça, le ministère de la Justice gagne comme devoir, ça fait charge du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice l'a transposé sanction ça. Souvelez-moi qu'à l'île pour t'étais souvelez-moi qu'à l'île pour. Oui, au cas où. Allez. C'est lumière à chercher. Mabil, article 97 là. Ça le dit. 30 secondes. Article 97 là dit. Le ministère de la Justice, d'ailleurs, il dit du gel des fonds et autres biens liés au financement du terrorisme, intitulé. Il dit le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est chargé de, transposer par arrêté ministériel au niveau national la liste des personnes et entités désignées établies par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mm-hmm. Là, il parlait qu'on y a la transposée, liste qu'on a eu
yo prend sanction dans yo Nations Unies la transposer non ça revient dans droit national là ou là que dans petit a petit b identifier et proposer la désignation des personnes et entités conformément aux résolutions et à toute résolution subséquente par arrêté ministériel. Petit c, c'est là que qui vient proposer à transposer par arrêté ministériel les listes de sanctions établies par d'autres organismes internationaux et désigner des personnes et entités soupçonnées d'être liées au terrorisme, au financement du terrorisme, sous recommandation du CNLBA. Mm-hmm. Qu'est-ce qui c'est CNLBA? CNLBA, son comité arrêté, décret ça lui-même écrit, c'est le comité national de lutte contre le blanchiment d'argent. Maintenant, comité ça qui ça a comme devoir, c'est saisir autorité compétente les gains blanchiment d'argent. Mm-hmm. Blanchiment d'argent, pas oublier que blanchiment d'argent n'est pas une infraction autonome. Yeah. Pour un blanchiment d'argent, il faut avoir une infraction principale. Donc, pour un blanchiment d'argent, il faut qu'on blanchisse. Si soit son compétence en corruption, ma travaille dans l'État en tant que directeur général ou bien en tant que directeur des services, donc, par exemple, CAS, je me fais un blanchiment, ça me fait mal ouvert en commerce, mal ouvert en pompe gasoline. Donc, comme ça, je prends un CAS là, moi, je ouvre en pompe gasoline, donc c'est pompe gasoline ça qui fait blanchiment pour moi. Moi, c'est un chanteur, moi, je joue en balle. Moi, je prends balle, ça a connu. Balle, ça me prend comme couverture. Et puis, ça me fait prendre comme moi, je prends dans l'État. Mm-hmm. Moi, je dis, c'est comme ça. C'est comme balle là. C'est comme balle là. Donc, c'est blanchi à travers balle là. Donc, maintenant, pour nous, à travers disposition ça, deux dispositions ça, 97 et 11 ans qui créent. Parce que 11 ans, c'est vrai que moi-même, moi, j'ai un balbini sous réserve, moi, j'ai un sous décret. Mais quand même, décret A, l'irrité, on décret qui est applicable. Pas aucun monde, parce que moi-même, moi, je m'écris sous décret ça, m'écris article sous lui, m'alerte et opinion publique là, moi, dis son décret qui est dangereux, moi, dis décret, d'ailleurs, décret à son bagage, décret à abroger ni loi, ni loi 2013 là, sous blanchiment d'argent, ni loi 2016 là. D'ailleurs, décret ça, puisque lui applicable, je dis en Conal va exister. Je veux dire qu'on n'a pas existé. Décret a annulé ni Conal, ni annulé ni UCRES, ni créé l'autre institution qui pas même coexister matériellement. Rété. Donc, ben oui, son décret qui. C'est peut-être ça que moi toujours dis. Ou pas penser que immédiatement ta vine gain parlement, gain possibilité pour pouvoir cap venir yo. Si yo estime décret a mérité annulé ou bien passer, mais yo ka modifier ou bien annuler. Pas même parlement, même gouvernement ça, je dis un gouvernement connu avec le conseil présidentiel là, il y a du pouvoir que vous-même soit pour abroger des décrets ou bien pour faire retrait des décrets. Non mais connu, si vous faites retrait sur lui, est-ce que nous avons dit et pas quelque part et tout, il y a peur parce que l'article ça, il va nuire non même article 97 là, m'appelle le devant là, il va nuire. Donc ça, effectivement ça quand mal interprété parce que comme historicité texte c'est un texte qui l'a comme ça. Texte son texte qui est dans le palais national, sont malheureusement sûrs, même là que je suis tenu au secret professionnel, je suis soumis au secret professionnel, je ne sais pas qu'à dire, mais texte son texte qui l'a dit sous Jovenel Moïse. D'ailleurs, les textes qui sont sortis, on peut texte à marquer, et on va pouvoir le marquer, même si Jovenel Moïse qui était sous lui comme projet. Mm-hmm. Projet qui Jovenel Moïse qui était sous lui. Son texte qui l'a dit sous Jovenel Moïse, par contre, tout ça joue. Et attention, professeur, si vous regardez avant l'article 90, il y a un texte à tout devant moi. Donc, dans section 3, il dit du gel de fonds et autres biens liés au financement du terrorisme. Où mettre devant ces professeurs? Bien sûr. Un gros texte lié. Oui, non, mais c'est un texte que je dis, par exemple, Jean-Abdi, si ministre gouvernement ça, il dit écoutez, comme métronome est sorti, on met en ligne, c'est sorti. Non, métronome a fait pas, non, pas de problème. Ok. Métronome dit que tu as gagné tout de suite après mesure ça, États-Unis, à l'encontre de l'ancien ministre Michel Martelly, M. Gary Conille, comme premier ministre, dit que ça a été fait, il était convoqué en conseil de sécurité ou bien en réunion tout de suite à la cabinet. On t'a dit que après conseil de sécurité ça et convocation de gagné réunion à cabinet, je t'ai dit, ah, quand même, c'est pas une décision moindre, c'est contre un président de la République. Et en sus de ça, l'ambassadeur américain en Haïti, il confortait la décision, il parlait de lui, il traitait l'ancien président de gang.
Il dit son gang à cravate. Je dis, si le gouvernement dit, écoutez, nous pas arrêter sans réaction, il faut réagir. C'est-à-dire qu'il n'a pas réagi, il y a des provisions légales, nous devons réagir. Eh bien, c'est le travail du ministre de la Justice. Maintenant, je dis, le ministre, il a juste utilisé le ministre après l'article 97 là. La, bon, c'est pour consulter ce moment ministre, parce que le ministre est très compétent, même passé, mais le ministre est même compétent, passé de mon côté, dans le cabinet. Il a pu utiliser l'article 97 là, le bon outil. Il a dû être fait par la presse diplomatique. Mandé au FAC ensemble aussi ça parce que Texan dit il y a transposé sanction ça. Transposé que j'ai ça, transposé c'est mandé communication dossier. Maintenant qu'on y a, il y a utilisé l'article 47 et alinéa CA, il y a mandé communication dossier avec l'autorité américaine, il y a Bayol et automatiquement qu'on y a ça y a fait. Recommandation article 11 ou article 11 là. Article 11 qu'on y a dit ça, que c'est CNLD qu'on y a qui parle saisie autorité compétente. Et première décision que le ministère de la Justice est pour le cabron, ça ne va pas le faire. Il va écouter tout bien M. Martelly en Haïti, quand ça le monde en tout, hein, quand ça le monde en tout bien mon sagain, il va commencer à geler. Et là, c'est là que j'estime que les textes sont dangereux. Pour qui ça? Pour qui ça le dangereux? Même leur texte sont un bon côté, ils ont bien fait, mais ils ont bien fait. Donc pour qui ça? Parce que le ministère de la Justice, texte là, article 97 là, où dit effectivement que c'était ou pas tellement raïl, mais dit par le ministère de la Justice là, quand on prend décision proprio motu, ça veut dire que de lui-même, il a décidé pour le capable de geler. On dit que Martelly va bien. Ou pas finir tout, bon. Soit continuer de 97, 98 jusqu'à article 101, il a le ministère de la Justice plein pouvoir. Non, pour ordonner, il dit ministère jusqu'à ordonner pour geler fonds, geler biens, etc. Effectivement, là, il est dangereux. Par exemple, Martelly, il dit Martelly, rumeur, toujours dit Martelly, M. Martelly, il vaut 7 ans. Eh bien, rumeur, c'est bon parole. Alors, par contre, pour prier, mais il te dit, c'est l'argent prêté dans la banque. Donc, son bill, son bill, on vit là, le fait en bas. Quand il y a ces gangs, cap, je ne dis pas qu'à Jules, son l'argent gaspillé. L'État qui a saisi. On dit comme ça, c'est pas un comme ça, lié, son comme Martelly, c'est vraiment, c'est comme ça. Je dis en Kailian Bolanmea. Le ministère de la Justice vient pouvoir pour le aller, j'en se dis, dans le texte là. Le ministère de la Justice dit sans passer par un juge, en fait. Le ministère de la Justice même, parce que le ministère de la Justice, c'est qui ça? C'est l'exécutif, en fait. C'est le pouvoir exécutif. Ouais. Donc, texte là, le pouvoir exécutif là, on doit pour le aller, pour le député Kaita, ordonner M. Lille. Alors que l'exécutif, il n'a pas le droit pour l'initier dans l'affaire judiciaire. Il n'a pas le droit ça, parce que Libal, on pouvoir lui-même pour le faire ça. L'elle va pouvoir ça pour le faire. Ben oui, c'est ça, c'est pouvoir ça que l'elle va le faire. Ce qui est anormal, parce que le ministère de la Justice, il y a une qualité, à contrario, il y a une qualité d'autorité de poursuite pour qui ça? Parce que l'autorité de poursuite à travers le commissaire gouvernement, texte là, c'est peut-être ça, moi, toujours dit que les autorités politiques haïti, n'a pas eu ça comme défaut tout été. Il y a un mess, ou par état, ou son grand journaliste, ou grand pile connaissance, ou après être ministre de communication, il va dire non, il n'y a pas de ministre de communication. Il n'y a pas d'équipe. Non, ou pas d'équipe. Il y a plutôt pour un monde qui n'a pas d'équipe. Pourtant, et monde ça remet en gouvernement ça, et c'est monde ça qui a recul. Par exemple, Texa, en tant que ministre, Texa a adopté sous qui est sous Emily Poupet. Et Emily Poupet, c'est bien dommage que je connaisse Texa, il a été baillé avec Evila, qui est chef cabinet, et Emily Poupet, que moi-même, que je connais compétent. Texa, disposition ça, eux, t'as choisi de dire que il n'y a pas bon, même les blancs, on dit blanc, dit, faut Texa passer. Pas de problème pour le passer parce qu'effectivement, nous pas évoluer dans eux temps-ci. Nous connaissons que frontières sont en sécurité, nous connaissons que les drogues sont dangereuses, nous connaissons que la corruption est dangereuse. Pas de problème pour tout le bagage, parce qu'on sécurise l'autre pays. Mais quand on a dit blanc, excusez, ça, c'est pas blanc qui est. Nous pas qu'à dire le ministère de la Justice, parce que le ministère de la Justice, c'est l'exécutif. En retirer pour nous dire, le parquet, la saisie, on juge d'instruction, bien le droit, etc. Il n'y a pas de comme ça. D'ailleurs, dans la loi 2013, là, que nous travaillons sur les qui dans le livre avec la loi 2016 sur le blanchiment, pouvoir ça, qu'est-ce qui gagne, c'est pas le ministère de la Justice qui gagne. Il y a retiré pour voir ça dans mes doyens. C'est doyens qui gagne. Effectivement, il y a urgence. On dit que yo reproché Martelly, peu importe River, peu importe l'autre monde, Jean-Henri Séan, tout le monde a été etc., peu importe monde. Yo reproché de yon fait qui relevé d'un particulier gravité. Bon urgence pour presser, pour monde pas presser, c'est un détournement de dissimulation bien yo.
yo pressé al gelé yo gelé pas veut saisir pour ça en fait gelé pas veut dire bien que li mon a dépossédé mon a pas propriétaire mon a toujours propriétaire maintenant ou voulez faire connir pour faire autorité judiciaire faire parce que son mesure coercitive ni ou pas faire l'exécutif lui même encore qui m'a de poursuivre c'est lui même encore qui allait pour le dire qu'on appelle li gelé yo ça c'est anormal maintenant li bal en plein pouvoir. Et c'est malheureusement que Texas, moi t'es allé avec l'opinion publique en souligne, j'en étais capable. Mais côté avocat, même dans des débats faits sous Baïza, non, même, c'est où seulement dans des parler sous lui, oui, regarde un pays difficile, monsieur. Oui, j'en étais sous lui. Je dis en Texas, ouais, Texas, la cour est tournée ni contre mon Ariel, yo, qui était sous Ariel, tout parce que, par exemple, de mes stéréos, par exemple, contre Tissan, yo, qui est dans le gouvernement Ariel là. Non, son texte qui est en plus bas, parce que son Abdi là, par exemple, c'est ma regardé en section 4. Il dit que du gel de fonds et autres biens liés au financement de la prolifération des armes et destruction massive. Bon, il dit que dans l'article 102, il dit le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ordonne par arrêté ministériel le gel sans délai des biens, fonds et autres biens des personnes et entités désignées au titre de des résolutions du Conseil de sécurité de la société. Qui donc son texte est Blanc-Banon, papa? Blanc-Banon, texte ça? Oui, moi, du texte ça, effectivement, c'est dans le palais national. Son texte est dans le palais national. Texte a gagné. Mais le cas utile, pays, à tout, oui, papa? Parce que tellement de vol dans le pays, ça, le cas utile, oui, mettre plaise. Li app utile, mais ça me dit pas comprendre. Par exemple, ouais, ou saute li toute disposition ça yo. C'est non même disposition ça va regarder pour, c'est même texte qui dit, c'est le ministère de la justice même qui prend liste choisi moun ta moins, c'est moun ta moins. C'est lui qui va choisir moun qui dans théorie surtout. Parce que même lui même cap sélectionner moun, c'est lui qui va désigner, c'est lui même encore qui va geler yo. C'est que le ministère de la justice a font tri. Jugé parti. Li jugé parti, li dit me font tri. On prend X, Y, moi, dis-moi, désigne comme mon qui était dans financer gang, etc., ZAM, etc., prolifération, etc., etc. Et puis lui-même, encore, il dit, moi-même, moi, ordonné pour me geler. Donc, son texte est dangereux, son texte n'est pas respecté. Alors, ça qui fait le dangereux, professeur Blaise, imaginez, même mini-justice, ça, qui prale, qui gagne l'ordre, qui a ordonné pour geler bien, alors que même ministre, ça, gagne nol, cap, un exemple, mais c'est une vérité, m'tou bay, qui gagne nol, qui cite dans. Zam kap entre sur ti port de paix vin pa au prince. Donc là ba yo mélanger. Est-ce que kounya juge là li même li ka appliquer sanction en contre li? En fait, mini justice, en fait, si mini justice là, non, mais d'ailleurs, la première chose c'est que si mini justice li en fonction, c'est que yo pa ka poursuivre li pendant li en fonction. La deuxième chose qu'on y a, même mini justice là qui ka ordonné, mini justice qui ka ordonné pour juger les prend toutes les coercitives ça yo, demain si Dieu veut c'est lui qui prend le victime de texte encore. Demain c'est lui qui prend le victime. Maintenant c'est peut-être ça que moi t'ai alimenté, m'ai pas entré dans profondeur texte et cetera pour me parler texte mal parce que texte il a une utilité bien entendu, il a une utilité, mais maintenant moi t'ai attiré attention plusieurs publics sur deux bagages. Sous question de texte qui ont décret et n'est pas possible pour appeler ça pays, et par contre, pour tout ça, peut-être que toute inimitié, ça, ou toute animosité, ça, moi-même, parce que c'est ma paix des gens, c'est ma paix des pays, parce que je ne suis pas bénéficié par autorité pays, je ne suis pas en consultation dans aucun pouvoir d'État, je ne suis pas bénéficié rien que dans le pays, sauf que moi, je suis Haïti. Chaque fois que je suis aidé Haïti, je dérange ces deux mondes qui ont un programme ici. Comment y a un monde qui a fait dire que y a tout le monde qui était beaucoup de Ariel Henry, y a tout le monde qui était dans le palais national, jodi an et en plus on est dans le palais national donc je m'pas exempté que moi-même moi Josué Pierre-Louis par exemple oui sonnet dans le cabinet Josué ouais donc maintenant m'pas qu'à comprendre que pour accepter pour dire on décret dans disposition finale je pas dire ils sont habitués mais non m'pas si jodi an m'rivé non institution et pas parce que j'étais contre les gens c'est une capacité qualité pour me dire pour m'pas camper pour me dire pour le ministre ou bien blanc m'pas qu'à dire on décret il annule en loi faut me gagner courage pour me dire ça. Donc, je dis en yo contexte, yo dit dans la disposition finale là, yo dit décret a annulé ni loi 2013 là, ni loi 2016 là. Je dis en ou bon décret qui crée des institutions matérielles qui pas existé. Moi, je dis normalement, si décret a appliqué, je dis, moi, si mon client yo arrêté, m'a dit carrément qu'on n'a pas compétent. Parce que bon décret qui dit qu'on a annulé, qu'on n'a pas là. Bon décret qui dit qu'il ne pas existé, m'a dit, écoutez, il ne pas attendre des clients non. Son gros déclaration. Mais oui, c'est ça, décret, c'est pas moi. Décret crée une bonne institution qui remplace Bafos. Bafos, c'est qui ça, Bafos? Bafos, c'est une institution qui est dans Conal, qui est là pour gérer bien l'État. Lorsque Conal estime que bien ça
sont bien qui par exemple on dit sous question de ancien président Michel Martelly. Il estime l'État, la justice peut dire nos décisions en confiscation et confisquer bien Martelly. On a bien ça au courant si on vient entrer dans le patrimoine de l'État. Mon qui jouait bien ça son institution qui les Bafos qui en dans Conal. Je vous dis, décret annulé, il crée une autre institution en place de Bafos. Bon, une institution en place de Bafos, matériellement qui n'a pas existé. Donc, son décret qui a un problème, sans que c'est même genre avec le code pénal, procédure pénale, qui peut avoir un paquet d'institutions qui va même exister matériellement. Je veux dire, au bon décret qui est appliqué, qui est entré en application, qui a annulé en pile d'institutions qui existaient déjà, qui crée l'autre institution matériellement qui n'a pas existé, et on décret qui annulait ces deux lois qui étaient existées, qui t'abaillent, mais au moins que tu t'es quitté, sous plan de légitimité, que tu t'es quitté légal. Donc, pour question de transposition, est-ce que Haïti, lui-même, l'ICA, agit ou réagit dans le cadre de sanctions internationales, dont celles infligées à l'ancien président Michel Martelly? Oui, gagné en disposition légale, sous ce décret, 4 mai 2023. Qui bail ministère de justice en plein pouvoir pour lui-même, pour lui capable de mettre en application toute procédure de transposition sanction pénale ça, et puis prendre des mesures conservatoires qu'il prévoit dans le décret. Maintenant, ministre de justice, c'est un bagage hautement politique lié. Un bagage que le ministre de justice a parlé pour un grand matin pour lui contacter, il ne dit pas la transposition, il ne pas le transposer des sanctions internationales. Je pense que ça, son bagage qui a relevé de premier ministre là. Ou bien conseil présidentiel là, qui a ordonné ministre et qui a dit ministre, écoutez, transposer toute sanction ça yo, parce que maintenant des EECC, RNDDH, tout le monde a plein pour un seul bagage. Il faut qu'il y ait dans pile sanction qui a pris international, alors que dans le droit national, en droit interne, pas aucune poursuite qui fait. Eh bien, sous Ariel Henry, je dis, en 4 mai 2023, Ariel Henry, payant un instrument juridique, un instrument de droit qui est capable de servir. Documents pour être capable de transposer sanctions ça et puis pour appliquer dans le droit interne. Maintenant, dans le cas ça, ballon en ligne en pied, Gary Conning. Bon, oui. Avec le CP. Certainement. C'est pas même de dire le CP même. C'est le CP, la fonction présidentielle, c'est une, mais c'est le gouvernement. Ouais, c'est le gouvernement parce que c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui vous dit est-ce que l'IAP transpose les sanctions ça y est. Pour le dire, les films transposés au Kounian, avec la dangerosité que cela comporte, Kounian pour le transposer, et puis les films transposés pour le faire triant, pour le dire, écoutez, Moun Sao, c'est Moun qui est lié à financement, à théorie, etc., Kounian pour le tester pour suite contre eux. Maintenant, avec des prestataux, il faut nous comprendre en bagaille. Si je dis, on gagne une autorité, une ancienne autorité politique, qui était sanctionnée par le Canada, par la France, par les États-Unis, qui ont une décision qui est en cours, un dossier, une affaire qui est en cours, et qu'on décision de justice qui soit en faveur, je vous dis, on décret ça, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de faire rien tout. Par exemple, de Nenel Kassi. Nenel Kassi, t'as dit que les dossiers, on va faire, qui a un rapport avec le financement de gang, qui a un rapport avec la prolifération d'armes, qui a un rapport avec le terrorisme, qui a un rapport avec le blanchiment d'argent. Je vous dis, on lit devant le tribunal dit, écoutez, ou blanc, ce qu'on s'est allé, parce que on pas conclu la culpabilité. Depuis le tribunal pas conclu la culpabilité, et décision ça pas gagne appel qui fait ou bien il fait appel à la cour de cassation ou bien pas gagne cour de cassation li atteint autorité de choses de choses jugées li passe en force de choses jugées s'il passe en force de choses jugées bon ça décret ça pas faire rien encore parce que ils ont décision de justice qui sorti dans même aspect a qui dit que li te kon financer gang li te kon ba konnen li te kon ba kaide nan drogue jodi la justice dit comme ça que c'est menti c'est pas vrai li pas conclu la culpabilité et ceci vaut pour privé. Ça vaut pour Jean-Henri Séan, ça vaut pour Yuri La Tortue, ça vaut pour n'importe monde qui a sanctionné, ça vaut pour M. Gary Godot, qui a sanctionné sur l'international. Si la justice qui a conclu à un nom de culpabilité, eh bien, je dis un décret. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, Kounian, si vous avez gagné une décision de nom de culpabilité, Kounian, je dis, si vous avez demandé extradition, et c'est là que ça devient intéressant. Pas bien, décret prévoit extradition. D'ailleurs, décret prévoit extradition. Pas dit facile, mais il prévoit une extradition claire qu'on y a. Il prévoit une extradition lorsque la disposition en bas, là, après l'article 100 combien, il prévoit une extradition. Je vous dis, si il y a un monsieur, ça, yota, ancienne autorité politique, ça, yota, sanctionné sur l'international, qui a bénéficié d'une décision favorable, décision favorable d'un y a même, il y a fait valoir, je vous dis, il n'y a pas à extrader, parce que pour extrader maintenant,
c'est ça décret a dit pour extrader. Maintenant, ou t'as poursuivi en Haïti, sous poursuivi qu'on y a acte de poursuite en Kelpakembe, ou pas qu'à extrader encore. Voilà un gros outil juridique qui gagne, qui permet que l'autorité haïtienne soit capable d'agir sous sanction internationale. Maître Blaise, c'est ça. Merci infiniment pour éclairer ça, parce qu'un pile monde pas de connaît. Souvent, documents sont là, mais ils n'ont pas gagné trop de temps pour les lire. Parfois, c'est eux-mêmes qui permettent que le pays a connaît et tel bail qui est là. Mais ça te fait des différents fonds qui parler. Merci, professeur Blaise. En pile succès. Et puis, continuez, faites-y dormir. Faites-y rêve-vous, Kembela. Merci, en pile. Je vous en prie. Bon, vous connaissez rêve-vous, faites-vous, donc, merci beaucoup, Tété. Et puis, son plaisir. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous capables d'échanger avant. Et surtout, si nous avons un outil pour payer, nous avons un outil, même les nappes de neutralité à toute indépendance. Et c'est bien dommage que il y ait un peu de monde qui a pensé que nous-mêmes que nous dérangeons, nous ne pas déranger personne, nous sous évolution paysan. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci professeur Gerbi Blaise, effectivement.